Ah putain, ça me fait chier, hein. Je crois que j'ai fait toute la map. J'ai fait toute la map, mais j'ai découvert quasiment tous les lieux d'habitation. Et ça me fait chier parce que je kiffais le mode d'exploration, hein. J'ai lâché le jeu un petit moment, j'ai dit je vais le reprendre, mais ça confirme mes dires, quoi. Je sais pas, là je vais aller faire un lieu au pif. J'ai été zoné sur les quatre coins de la map, et les quatre coins de la map, ça m'a mis vous ne pouvez pas aller plus loin. Et ça, c'est la tristesse dans Fallout. C'est la tristesse dans Fallout, c'est quand tu as tourné partout et qu'à un moment on te dise vous êtes allé trop loin. Et moi j'aurais aimé qu'on me dise vous pouvez aller plus loin. Même avec un DLC, franchement, le jeu est tellement bon que même si tu m'aurais mis un DLC, tu m'aurais dit vous pouvez aller plus loin à présent. Parce que vous avez hacké en gros. Ah, franchement, après avoir je sais pas, plus de 100 heures de jeu facile, là j'ai repris, là j'ai repris un petit peu hier, j'ai retrouvé encore une armure assistée. Et puis ensuite j'ai tourné à la mer lumineuse, donc j'ai encore tu vois, j'ai encore trouvé des nouvelles zones. Hier j'étais content de moi parce que hier la mer lumineuse, je l'ai bien squatté, hein. Là je vais aller ici, je sais pas, je vais y aller au pif to gain. Salut mon gars. Ça roule. Désolé, mais je t'avais oublié. Non, enfin, j'étais dans le jeu, quoi. Ça me fait chier. Ça me fait chier d'avoir fait tous les lieux. J'ai quasiment fait tous les lieux. Par contre, il y a un truc, je suis guaqué de ouf. Il y avait une salle de boxe. Il y avait une salle de boxe, c'était écrit salle de boxe. Quoi? Attends, cette arme, je voulais la tester parce que... Non, non! Oh, sors, 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 sors! Ils vont te mettre le laser! Et le laser, c'est pas bon. Vraiment pas, quoi. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a, là? Hmm? Wow, 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 wow! Ça me balance des queutrues, là. J'aime pas ça, là. C'est toi, là, qui me balance des queutrues, là? Hein. Faut pas me balancer des queues trucs, faut pas. Compris? Oh le bâtard! Oh le bâtard, il existe encore! Il est encore dans le game! Ça t'apprendra. Hein. Direct que j'arrive, c'est la guerre, quoi, c'est bon. Votre lieu d'habitation n'existait plus déjà depuis longtemps, hein. Je suis déjà venu ici, je vous ai déjà dégommé. C'est pas l'affaire de... C'est pas la peine de faire genre les... What, y a un corps? Où? T'étais caché, mauviette. Ah, level up d'un level. Ça, c'est yamb! Objectif, avoir toutes les compétences en haut sur 10. Ou sinon, être un cannibaliste, hein. Je vais pas te le cacher, j'ai envie de bouffer. Quand un ennemi explose à proximité, il peut subir le même sort. What? Presque à fond là-dessus. Mais quand est-ce que je pourrais bouffer de l'humain? Fait chier! Au talent de stratège, je vous permets de gagner un coup critique en réserve. Non, pas la race. Le squelette inflige de 60%, réduit de 60% vos dégâts. Ouais, ça serait rien, ça. Là, je suis dégoûté. Moi, je voulais commencer le mode cannibaliste, là. Genre, je peux toujours pas le faire. Mais c'est quand que je peux le faire, à partir du quel moment? Je m'explique. Fais chier, quoi. Il y avait pas un mode où tu pouvais être cannibaliste, bouffer, là. Moi, j'en ai marre de bouffer toujours la viande de chien, hein, ou du Radaway, ou du Steampike, là. J'ai envie de commencer la vraie viande, moi. Ta daronne, fais chier. On va mettre quoi, poteau?
Ah ouais, sinon je voulais me mettre anti-radiation à 100%, comme ça après je peux aller à la mer lumineuse sans armure et sans combinaison, histoire d'aller zoner un peu plus longtemps là-bas et de bien bien inspecter, parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'ai fait 80% de la mer lumineuse et que j'ai 20% très intéressant que j'ai loupé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait un peu chier de d'y aller en armure assistée ou en combinaison étanche. Je préfère y aller en mode pure souche, quoi, tu vois. Ah ouais, ça j'aimerais bien, ouais. Genre, je le mets à 100%. Comme ça, je crains que dalle, quoi. Ouais, je vais commencer par ça, ouais. Radiation, il m'en faudra encore 3. Il faudra l'endurance 6, mais l'endurance est sur 7, hein, si je dis pas de bêtises. L'endurance est sur 7. La chance est sur... Putain, j'ai mis que 5 sur la chance. Eh hey, merde. L'agilité, j'ai mis que 5. L'intelligence, j'ai mis que 6. Ah, je suis pas une flèche en même temps, mais bon. Le charisme est sur 9. L'endurance est sur 7. La perception est sur 5. Et la force est à fond. Comme d'hab, ça c'est la première chose que je fais hein, dans un jeu, c'est la force. Putain, ça me fait chier. Mais non, mais sauvegarde pas, je m'en balance. De toute façon, à chaque fois que je finis une game, après je supprime les sauvegardes automatiques. Hein. D'ailleurs, je vais aller dans le mode, je vais enlever les sauvegardes. Ça me fait chier là, les sauvegardes automatiques là. Toutes les 15 minutes, non, on va mettre. Je sais pas, ouais, toutes les 30 minutes, voire toutes les 45 minutes, ouais. Toutes les 45 minutes, c'est mieux, je préfère. Parce que toutes les 10 minutes, après, ça me fait 15 000 sauvegardes sur ma save. Après, je suis obligé de les supprimer, quoi. Ça prend de la place pour rien. Donc, on a 6 minutes déjà. T'as rien le temps de faire dans Fallout. Avec ce strike à la con, là. Vivement mai, hein. Putain, vivement mai. Hein. Vivement le 15 mai que j'ai plus de strike. Hein. Et ils ont intérêt à l'enlever illico, hein, parce que y a des personnes apparemment qui leur ont pas enlevé illico une fois que la date de procédure était finie. Moi, tu m'enlèves cash. Hein. Non, mon gars, ghetto mania, quoi. Ça me fait chier, quoi. Tout ça pour un son à la con, quoi. Mais bon, j'ai été con aussi. Sachant que les réglementations avaient changé depuis belle lurette, j'ai quand même mis un son sur ma chaîne YouTube. C'est fou. Ah mais je vous avais pas tout scanné ici. Genre l'autre fois j'ai pris vos vivres et par accident j'ai canné un de vos proches parce que j'avais défendu le lieu d'habitation. Et du coup il s'est retourné contre moi donc j'ai dû faire carnage. J'avais la flemme de recharger ma game. Et... Tiens, je vais prendre les échiquiers parce que je suis en manque de bois et j'aimerais bien faire des autres habitations là dans mon lieu là. Donc je vais commencer à fouiner tout ce que je trouve. Et franchement, ça aurait été intéressant que je vous propose genre une vidéo bonne découverte. Et je suis assez déçu, dégoûté là-dessus parce que j'aurais pu vous proposer une découverte de plus d'une heure de Fallout. Ça m'aurait pas dérangé. On aurait pu faire la map dans les moindres recoins. Le souci, c'est qu'en ce moment, je peux pas dépasser les 15 minutes, tu vois. Et du coup ça m'a handicapé parce que je pouvais pas faire grand chose sur Fallout en 15 minutes. Et c'est pour ça que d'un côté j'ai aussi lâché le jeu, tu vois. Et c'est une déception quand tu kiffes un jeu que tu peux faire que 15 minutes de jeu. C'est pire qu'une déception, tu vois. Et... Mais c'est dégueulasse quand même. T'as des mecs qui ont des networks. Hop, le network il t'enlève le strike, tu vois. Par contre, quand... Mais ta gueule, tout. Laisse-moi parler. Mais par contre, quand t'as 15... Par contre, quand t'as pas... Je disais par contre, quand t'as pas beaucoup d'abonnés, ça me bat les roupettes. Ils te mettent... C'est genre... Tu peux plus... Tu peux pas l'enlever, quoi. Par contre, quand t'as une communauté, là, tu peux t'arranger. Ouais, j'ai trouvé. Le Constellation Musquette. Ouais, je l'ai déjà, mais bon. C'est déjà bien de le savoir, quoi. En plus, ce qui est bien dans ce jeu, ce qui est gratifiant, c'est que quand tu explores la map, tu es récompensé. Tu trouves des armures, tu trouves des armes, tu trouves des équipements balistiques, tu trouves tout, quoi. Tu es récompensé quand tu fouilles la map, tu vois ce que je veux dire. Tu la fermes et tu me laisses passer. Moi je suis sans pitié avec toi, je veux dire.
Alors attends, où est-ce qu'on pourrait aller? Je vais essayer d'aller là, tiens, ouais. Ici, là. Juste voir si tu peux... Voilà, s'il va me dire vous êtes trop loin. Parce que des fois, tu peux dépasser la map, tu vois. Des fois, ce qui est cool, c'est que tu peux dépasser le... T'es où, bâtard? Que je te fasse... Que je t'arrive ton compte, là. Oh, cool. Faites pas long feu! Vous faites pas long feu! Je suis déçu, hein, c'est comme John John, hein, je suis déçu, hein. Pff, on est déjà 11 minutes, je suis dégoûté! J'ai tellement envie de tout et nulle part que quand la vidéo est à 15, ça me fait chier quoi, de continuer tout seul, tu vois. Vivement que je vous propose une longue vidéo sur Fallout. Et franchement, dans 6 mois, je serais tout... Si je reprends le jeu de temps en temps, là... Ah. Ah, je suis trop loin. Je suis dégoûté. Tu vois, là, je suis trop loin. Je peux pas y aller, là, tu vois. Et... Ouais. Mais je sais pas, hein. Peut-être qu'ils l'ont bloqué dû à un DLC et que plus tard, tu pourras y aller, hein. Imaginons, peut-être là-bas, t'as... Je sais pas, peut-être t'as des nouveaux lieux à découvrir, tu vois. Et moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, putain, mais... Il y a des lieux... Regarde, tu vois, ici, genre, ici, tu peux pas y aller, mais, genre, ici, tu peux dépasser la map, tu vois. Et je me dis, genre, ça se trouve, là-bas, ils vont le débloquer pour le DLC, tu vois, tous ces coins-là, tu vois. Ce que je me dis, ce serait pas con, ça, tu vois. Ça serait pas con de leur part de faire ça. Et ça m'étonnerait pas de leur part, pour te dire. Ouais, ça m'étonnerait pas de leur part. Moi j'aime bien de façon zoner dans la map et tout, ça me dérange pas. L'univers est grand, il est vaste, il y a beaucoup d'ennemis. En même temps tu level up, tu augmentes tes compétences. Tu vois ce que je veux dire, c'est kiffant, c'est gratifiant. Mais quand t'as que 15 minutes à faire, ça te casse le... Tu vois, ça... J'essaie de m'arranger pour qu'ils me l'enlèvent, mais... Ils me parlent en anglais là, je sais pas ce qu'ils me disent là. Toujours été un sac en anglais, ça aussi ça me fait bien chier ça, tu vois, parce que c'est très utile, que aussi bien pour un network que pour la vie de tous les jours, que pour des conseils, que pour des vidéos, que tu vois, tu parles pas l'anglais, t'as quand même un handicap quand tu parles pas l'anglais, parce que tu te fermes d'une communauté qui est quand même très active, tu vois. La communauté française elle l'est aussi, mais c'est bien d'avoir les deux quoi, tu vois. Et moi franchement je dis respect à ceux qui ont appris l'anglais sur le tas tout seul, sans aide professeur ou quoi, putain. Franchement chapeau hein. Je sais pas si j'y arriverai hein. J'essaie de m'aider avec des séries en VOST mais bon. Ça a pas l'air de marcher hein. Si vite fait mais c'est quand t'es dans un menu quoi, ça passe. Y'a qui? Ça tu... Ouais, je l'avais déjà vu, je me rappelle. Wow. Wow. What the fuck? Ah, oh, c'est le bâtard. C'est le bâtard, je m'en rappelle de lui. Bâtard. Hein? T'es un bâtard, toi? Oh putain, j'ai plus de bol. Au bordel de cul. Déjà? Putain, il balance des roquettes et tout, hein. Oh, 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 oh. Putain, il était en mode énervé. What the fuck? Il était en mode balle explosif, énervance, transhumance, rien ne passe. Il était what the fuck, hein. Je me rappelais plus qu'il y en avait un ici, bâtard, va. En plus, j'ai plus de munitions sur mon arme favorite. Putain, j'ai bien cru qu'il allait me canner, le con. Où est-ce qu'on va aller maintenant? 14 minutes, mais je peux rien faire, je peux rien faire, voilà. Bon mon gars, en espérant que la vidéo t'ait plu, j'espère pouvoir t'en refaire des plus longues à partir de mai, hein, ce serait mon souhait. Parce que je sais qu'il y a encore 2-3 petits endroits qui m'a l'air d'être intéressants, notamment la salle de boxe que j'ai pas encore faite. Enfin je pense ne pas avoir entré dedans, je l'avais vu, je suis pas entré gâche. Donc voilà, bah, je te dis à plus tard et merci d'avoir suivi la vidéo. Et passe de bonnes fêtes. Ciao.